Yeah! Le Let Money Show. C'est la version 2 du Let Money Show. Un plan serré, peut-être ça sera mieux maintenant. Voilà, chemise, cravate. Ah bah oui, bah j'ai perdu l'habitude. Mais en tout cas, vous me voyez ce soir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi dans le Let Luc Money Show, tome 2 du Let Luc Money Show. Pas facile à dire. On va l'appeler le LMM. Le LLM. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça marche. L'émission de ce soir, je veux du fric. Alors, avant même de parler de je veux du fric, parce qu'il y a plein de choses, encore une fois, on va rigoler, ça va être pédagogique, on va voir plein de choses ensemble. Il va falloir partager hein, le lien de l'émission. On n'est pas assez nombreux, 74 vues en direct. On doit monter au-delà de 100, c'est évident, pour se marrer un peu. Vous êtes très nombreux à regarder l'émission en replay, mais être en live aussi, ça fait absolument énormément plaisir. Je veux du fric, tu te reconnais là-dedans, en tout cas tout le monde en veut. Alors là, c'est unanime, tout le monde en veut, presque en tout cas. Peu, en tout cas, savent aussi comment gagner réellement. C'est vrai que quand on regarde sur Internet, à la limite, on se dit que c'est facile d'en gagner parce que tout le monde cherche à t'en faire gagner. Donc à la limite, je veux du fric, bah va sur Internet, tu verras, c'est assez facile. La relation avec l'argent, en tout cas, elle a été au centre des débats, elle est tout le temps au centre des débats. Il n'y a pas une journée où tu n'entends pas parler de fric, de pognon, celui que tu gagnes, celui que tu dépenses. Là, tiens d'ailleurs, quand tu es en repas de famille, quand tu discutes avec ta famille, si tu en parles, c'est rarement facile. C'est souvent le dawa, comme on dit. Tu parles de pognon dans ta famille et tout le monde part en live. Ceux qui en gagnent honnêtement, ceux qui en gagnent malhonnêtement, ceux qui en rêvent, ceux qui croient, ceux qui imaginent. Bref, en tout cas, cette relation avec l'argent est différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, où vous vivez et la profession que vous exercez. Je vous en parle immédiatement. C'est parti pour le Let Luc Money Show. Let's go! Alors là, vous êtes très chaud et moi j'adore. Ah, il y en a un déjà, il me dit, vas-y Luc, fais péter les dinars. On est au bled, comme ça, il n'y a pas de histoire là, c'est réglé. Grisaille, pourquoi grisaille? Non, pas grisaille, bien sûr que tout va bien. J'adore le clip d'intro de Luc, que penses-tu de One Up? Enfin bref, ça on l'a dit. Alors je vais vous rappeler en tout cas la bonne tenue, la bonne conduite qu'il faut avoir dans nos émissions. C'est une émission libre antenne. Vous pouvez dire ce que vous voulez. À partir du moment où vous ne faites pas de placement, j'en touche, de placement de produits ou de dire du mal ou râler. Vous avez le droit de râler, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais on n'insulte pas et on ne fait pas de placement de produits. Vous l'avez absolument compris. Petite, tiens, petite gorgée d'eau pour démarrer, regarde. Dans le mug de la Genius. Bah oui, cette Genius. Dans les prochaines émissions, on viendra vous montrer en tout cas le board de la Genius. Qu'est-ce que c'est, Luc, le board de la Genius? Bah, c'est les statistiques, les résultats, ce que gagnent les utilisateurs, les abonnés, ce que gagne la Genius, comment ça fonctionne. Bref, tu verras, on ira, on en parlera. Tu vois, on va en parler au fur et à mesure. J'ai dit 100 vues live instantanément ou je commence pas. On est à 97. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Wadi TV, il vient d'arriver lui. Quel est le thème de ce soir? Le fric, loulou, le fric, le pognon, le flouze, l'artiche, le pèse, tu l'appelles comme tu veux. Tout le monde veut du fric. Non, pas tous. Écoute bien. D'abord, dans cette émission, on va parler d'argent. Bah, tu l'as compris, ça s'appelle le Money Show, c'est pas au hasard. Ou alors, tu n'as rien capté. Et à ce moment-là, c'est à l'assa sur France 3. Hein. C'est pas la même, ça c'est évident. On va parler d'argent, des anciens, des nouveaux modes, en tout cas de paiement, et surtout l'évolution des mentalités concernant l'argent. Je te rassure, c'est pas l'émission rébarbative, c'est pas le truc où on va dire « avant, il y avait les billets de banque ». On s'en fout de ça. On est là pour se marrer, se détendre. Donc on va prendre des scènes de la vie quotidienne, des trucs qui me sont arrivés, des trucs qui te sont arrivés, des trucs sur lesquels tu vas te placer, et tu vas voir, on va se marrer, on va rigoler, on va se marrer. Bref, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'argent a toujours fasciné les humains. Tout le temps, hein, ça c'est clair. Il représente le pouvoir de disposer de tout ce qu'on veut, quand on le veut. Pas tout à fait. En tout cas,
c'est ce qu'on imagine, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Oui, mais la soif de l'argent est, elle, inépuisable. On en a rarement assez. Alors, l'idée de cette émission, c'est que tu te projettes dans ce que je dis. Alors, est-ce que je parle de toi? Est-ce que je parle pas de toi? Est-ce que tu te visionnes là-dedans ou pas? Bref, à toi d'imaginer. On continue. Le coût de la vie, l'inflation, les dépenses, on court après le pognon tout le temps. Les milliers appellent les millions appellent les milliards appellent les dizaines et les centaines de milliards. On va en parler, tu vas voir. C'est Bill Gates qui disait « Ne me parlez pas de pognon, de tout ce qui est en dessous de 100 millions de dollars. Tout ce qui est en dessous, je ne veux même pas en entendre parler. » Il n'avait pas tort. À la limite, si on veut de l'argent, il faut s'intéresser à ce qui rapporte le plus, pas à ce qui rapporte le moins. On va en parler, tu verras. Il y a des choses, à mon avis, qui vont vous plaire dans l'émission parce que je vais vous donner des petites choses. Tu vois, petit, plus petit égale gros. Hein, on va faire un gâteau, pas des crêpes ce soir, mais plutôt un gâteau. Quand on cherche un peu, on s'aperçoit qu'entre l'argent et l'illusion, la frontière est extrêmement serrée et fine. Tu vas vite comprendre. En fait, il y a ceux qui en ont de l'argent. Il y a ceux qui n'en ont pas assez. Il y a ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui cherchent à en avoir, il y a ceux qui s'en moquent, et il y a ceux qui s'en moquent, mais qui aimeraient en avoir. Alors là, à ce moment de l'émission, c'est là où tu te dis, bah moi je fais partie de, je sais pas, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, en tout cas, la plupart du temps, quand je discute avec des gens, surtout dans mon domaine, on est dans l'étape 1, il y a ceux qui en ont, ils ont de l'argent. Pas tous, mais ils aiment dire qu'ils en ont. Pas tous, mais ils veulent le dire quand même. Hein, on aime bien dire, on a de l'argent. Ça, c'est typique. Mais c'est quand même contradictoire avec la mentalité judéo-chrétienne. Je t'en parle absolument tout de suite. En tout cas, il y a des termes pour ces défauts. On parle de cupidité, d'avarice, de radinerie, de jalousie. Il y en a aussi pour ces qualités, l'altruisme, la générosité. Hein, tu vois, l'argent, c'est pas un truc complètement flou. On cerne, ça c'est évident, on cerne. En fait, pour la plupart d'entre nous, l'argent nous change radicalement. L'argent, c'est nécessaire. Depuis la fin de l'ère des cueilleurs et des chasseurs, hein, pour ceux qui font un peu d'histoire, ils auront compris, on se nourrit en achetant notre nourriture. Depuis qu'on ne s'habille plus en peau d'ours ou en cache-machin, eh ben, il faut payer pour s'habiller. Donc forcément, quelque part, l'argent, c'est nécessaire. Tes parents, ils t'expliquent que de toute façon, tant que tu as à manger et que tu peux t'habiller, c'est que tout va bien. Donc, à la limite, alors ça, c'est typique, tu vois, européen. C'est typique français, presque, à la limite. Parce que dans certains pays, en particulier en Asie, on ne parle pas comme ça. On ne te dit pas quand tu as à manger, tu t'habilles, tout va bien. On te dit, vas-y, fonce, fais tout ce que tu peux pour en avoir. Et c'est un peu l'idée des Asiatiques. Et en plus, ils ont une deuxième façon de voir les choses, dont je vais te parler, dans cette édition. Mais toi, rapidement, en tout cas, que tes parents te disent « t'as à manger, t'as ce qu'il faut pour t'habiller, ça te suffit », ça va vite te gonfler et ça va pas te suffire. Ça, c'est clair. Faut te faire plaisir. Mais te faire plaisir, derrière ça, moi, j'entends « il faut plaire ». En définitive, on a de l'argent pour se faire plaisir, mais aussi pour plaire. C'est souvent lié, les deux. Hein. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. En fait, tu cherches en permanence à sortir ton cercle, le cercle dans lequel t'as grandi, que t'as évolué pour aller vers le cercle du dessus. C'est une qualité, hein, c'est pas un défaut, à la limite, pas de problème. Mais pour aller au cercle du dessus, faut plus de flouze, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut plus d'argent. C'est rare d'entendre quelqu'un dire « bah moi, j'ai gagné dans ma vie autant d'argent que mes parents en avaient gagné ». La plupart du temps, les gens disent « moi, je veux pas souffrir comme mes parents pour gagner de l'argent ». Tu vois, c'est le genre de phrase, voilà, ça revient régulièrement. Gagner de l'argent, à la base, et c'est là où peut-être certains vont se reconnaître, c'est d'abord une question d'éducation et de religion. Ah oui, c'est dans tes gènes, c'est au plus profond de toi-même. Alors ça parlera énormément aux gens qui ont un certain âge, ou un âge certain, ça vous regarde. Pour les jeunes, c'est moins évident. La religion et l'éducation jouent un rôle prédominant dans l'argent et la façon en fait d'utiliser l'argent, d'en gagner et de devenir riche ou d'avoir une richesse, tout simplement. D'abord, les pays anglo-saxons et les pays judéo-chrétiens n'ont pas les mêmes chances et facultés pour l'argent. En tout cas, les pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, d'autres hein, d'ailleurs aussi, le Canada, la Nouvelle-Zélande, tout ça, ils n'ont aucun problème avec l'argent. Absolument aucun. Et en gagner, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de souci. À la limite, plus t'en gagnes
et plus les gens te respectent, ils t'admirent. Tu vois, il n'y a pas de jalousie malsaine, ça va bien. Quelle que soit la façon d'ailleurs avec laquelle tu as fait du pognon, t'es un bon. Voilà, t'as réussi à faire du fric, t'es un bon. En gros, c'est ce qui se dit dans les pays anglo-saxons. Par contre, dans les pays judéo-chrétiens comme la France, c'est pas la même. L'argent, c'est corruption et malheur. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est 78% des Français et jeunes Français qui imaginent en tout cas qu'être riche, c'est mal vu. Mais tous, ils veulent le devenir, tout simplement. Clin d'œil à tous les rageux du web. Tiens, on va en parler des rageux du web. Clin d'œil à tous les rageux du web qui s'attaquent aux mauvaises personnes. Un conseil, visez plus haut. Vous tapez toujours trop bas. Allez chercher plus haut, plus loin, pas dans la tranche des gens qui gagnent des revenus moyens, mais plutôt dans la tranche des immensément riches. Tu les connais pas, mais eux, ils te connaissent bien. Pendant que tu me saoules avec tes discours sur Internet d'arnaque qui n'existent pas, toi, tu vas acheter dans un hypermarché d'un mec qui a l'hypermarché, qui ne paye pas d'impôts en France et qui se fait sur ton dos des 30, 40, 50% de marge. Tu t'attaques pas au bon, garçon. Va chercher au bon. Et le mec qui a l'hypermarché, la plupart du temps, a des dizaines de millions d'euros, sinon plus, il ne paye pas d'impôts en France. C'est lui qu'il faut aller chercher, c'est personne d'autre. Toi, par contre, t'en payes des impôts, même sur 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles. Comment? T'es pas imposable? Et tu fais quoi de la TVA? Ah bah, tu payes des impôts, hein, ça c'est clair. Tu payes des impôts. Luc, je veux du fric. Alors, comment je fais? Bah, dans ma carrière, j'ai déjà vu pas mal de choses. J'ai vu d'ailleurs tellement de débilités que, à cause de l'argent d'ailleurs, hein, des débiles à cause de l'argent, que je pourrais écrire un livre. Clairement, je pourrais écrire un livre. Il y a d'abord ce type qui veut que je le forme au trading. Alors, je ne vais pas toutes vous les raconter, mais j'en ai une bonne, tiens. Il y a un type, une fois, qui m'appelle, j'étais déjà en Espagne, et qui me dit, Luc, je veux que tu me formes au trading. Alors, lui, je te le fais. Attends, je bois un coup d'eau d'abord, parce que... Ah, ça fait du bien. Alors, il y a ce type qui veut que je le forme au trading. Alors, je vérifie avec lui qu'il dispose des moyens pécuniers nécessaires et que ses objectifs ne sont pas irréalistes. Je le raisonne un petit peu quand même. Il me répond que l'argent, c'est pas un problème. L'argent, ça vient, ça va, mais quand ça vient, ça va. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Il me répond d'ailleurs que lui, il en gagne beaucoup, il en gagne énormément. Alors moi, c'est vrai que dans ces conversations téléphoniques, déjà, je me pose des questions. Le mec qui brasse de l'or, a priori, faire du trading, ça serait une contrainte plutôt que de faire autre chose. Si déjà, il brasse de l'or, mais bon, lui, apparemment... Quand il va aux toilettes, il fait caca des dineros. Donc, tant mieux pour lui, ça c'est clair. Il me dit qu'il gagne énormément d'argent. Alors, pas le temps de continuer. Lui, il est déjà inscrit. Voilà. Je voulais juste qu'il m'explique comment il arrivait à s'en procurer. Lui, il est déjà inscrit. Directement, il s'inscrit. Pas de problème. C'est quand même une formation qui vaut plusieurs milliers d'euros. Ah bah, je suis pas gratuit. C'est normal. La qualité se paie, hein, c'est évident. Mais au moment de payer... Il change de voix, il me demande d'une voix fluette s'il peut payer en 10 fois. Alors bon, alors attends, je comprends plus là. Je viens de passer donc le Picsou au SDF du coin de la rue. Je comprends plus rien moi. Le mec brassait de l'or 10 secondes avant et juste après il me demande de me payer en 10 fois. Il y a un truc que je comprends pas, ça c'est clair. Bon après tout, je lui dis ok, si tu veux ça peut te faire plaisir, payer en 10 fois. Et puis voilà, alors la fin de l'histoire, c'est qu'en fait c'est sa mère qui a fait l'échec. Et après le 7e, sa mère, elle est venue me chialer dans les jupons pour me dire qu'il faut repousser l'échec suivant, pas d'argent, plus d'argent. Alors, moi, j'ai failli lui dire, mais avec beaucoup de respect, je me suis tu, j'ai failli lui dire que son fils, il faisait caca des dineros un mois avant, ou 7 mois avant plutôt, puisqu'on était au 7e chèque. Mais tout d'un coup, il faisait plus caca des dineros, donc il y a quand même un truc qui n'allait pas dans son histoire. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, vous savez qu'un chef d'entreprise... qui accorde comme ça des facilités de paiement, a quand même une responsabilité à ce sujet, qu'il ne peut pas tout faire et qu'en cas de défaillance, ses décisions peuvent entamer sa responsabilité si jamais son entreprise venait à défaillir et qu'il accorde comme ça, en tout cas, des principes de paiement hors normes et ainsi de suite. Il faut aussi savoir que les chefs d'entreprise ont véritablement une responsabilité. Un paiement en 10 fois qu'on repousse,
C'est un crédit interminable qui, en plus, devrait donner lieu à un taux d'intérêt. Bah, évidemment. Sinon, il y a compétiteurs aux organismes de crédit et ça va pas le faire. Bref, moi, je m'intéresse quand même à son profil Facebook et sur ses réseaux sociaux. Et le gars est en photo à côté de toutes les voitures de sport possibles et imaginables. J'ai compris trop tard qu'en fait, il s'arrêtait à côté d'une voiture de sport en stationnement et qu'il faisait des photos. Bah oui, j'étais encore novice, moi, dans Facebook, il y a encore quelques années. Il se photographie aussi dans un appartement vide. J'ai compris que sa mère était commerciale de bas niveau dans une agence immobilière et qu'effectivement, même si elle avait elle seule avec sa langue, lui, il en profitait pour faire des photos dans son appart vide, qui n'est pas son appart, bien évidemment. Alors, le mytho, en fait, tu vois, le mytho de base qui a mal tourné. C'est le mytho de base qui a mal tourné. Ah oui, il a mal tourné parce que pour se venger, en fait, il m'a envoyé un email. Il a fait à peu près 2-3 pages d'email dans lequel il explique que je suis un escroc, que je détourne l'argent du fisc français. Je vis en Espagne. Alors ça, j'adore les mecs qui parlent d'escroc en Espagne. Quand tu fais de l'escroquerie, tu vas pas en Espagne, et encore moins dans le nord de l'Espagne. Tu vas chercher en Amérique du Sud, d'accord? Mais t'es pas en Espagne. Il y a un moment quand même, les mecs, faut réaliser. Ok, vous pouvez balancer des conneries, mais faites pas n'importe quoi. Bref, il donnait des faux avis sur Facebook. Il a créé 5 pages Facebook. Il a créé 40 pseudos. Et il racontait que des conneries sur moi. Ça a marché, hein? Parce que la plupart d'entre vous me le racontent encore, en tout cas maintenant. Pire, il a harcelé tous les clients qu'il pouvait connaître à travers moi. Il les appelait une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois par jour pour les persuader qu'ils allaient faire une opération collective contre moi et se faire rembourser. En fait, ces clients qui gagnaient avant même de l'avoir au téléphone se sont mis à perdre. Il a cultivé effectivement la merde, et la merde cultivant la merde, forcément, les gens perdaient. Bien sûr, lui derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un centre de formation et maintenant il envoie des signaux depuis Israël en passant par Dubaï. Voilà, ça c'est le chemin qu'il faut fuir, c'est évident. Si je vous raconte ça, c'est que les problèmes d'argent viennent avec le manque d'honnêteté avec soi-même, le manque d'objectivité, le manque de réalisme. Donc c'est la base. Qui suis-je? De combien je dispose? Quelles sont mes facultés, ce que je sais faire? Quels sont mes besoins? Quels sont mes objectifs? On commence par ça. On n'essaye pas de devenir calife à la place du calife alors qu'on sort de l'œuf. Ça n'existe pas. Quand on veut faire de l'oseille, il va d'abord falloir faire un inventaire, un peu comme un chef d'entreprise qui va regarder toutes ses immobilisations pour savoir le matériel dont il dispose et qui pourra produire à partir de ça. Les gars se réveillent un matin et décident d'aller conduire une Ferrari ou une Porsche. Mais t'as pas 10 balles en poche, garçon. Même si t'as la Porsche, t'auras même pas de quoi avoir un porte-clés. Donc, il y a un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. Alors, si, je résume, qui suis-je? De combien je dispose? Quelles sont mes facultés? Quels sont mes besoins et quels sont mes objectifs? Si à toutes ces questions, vous n'avez pas su répondre, c'est peut-être que quelque part, vous avez là une absence de savoir-faire. Je vais vous expliquer comment pallier à cette absence de savoir-faire. Un petit coup de pub là-haut et c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes. For Money, l'app Genius for Mobile, l'application Genius for Mobile. Tous les abonnés à la Genius, en tout cas, ont cette application. Elle est terrible, il y a absolument tout pour décider en bourse. On a mis quelques semaines, en tout cas quelques semaines, on a mis quelques semaines pour pouvoir la façonner. Et aujourd'hui, elle est disponible sur Android
et sur iOS. Flo qui nous dit que du blabla, rien de concret, apprenez à trader au lieu de suivre des signaux. Loulou, Flo, tu fais partie de quel type de personne? De ceux qui pensent que le mot trader englobe le savoir-faire pour gagner de l'argent? Sincèrement? Tu penses que quelqu'un qui n'a aucune, absolument aucune connaissance peut véritablement devenir trader comme ça parce qu'il va suivre ton conseil? Flo, écoute bien. Peu de gens vous aideront à gagner de l'argent car l'argent est à somme nulle. Je répète, peu de gens vont t'aider à gagner de l'argent car l'argent est à somme nulle. Les puristes vont hurler. Les puristes vont hurler, ça c'est clair. Mais je vais quand même prendre cet exemple pour que vous puissiez en tout cas comprendre et en parler. Quand tu gagnes, quand tu prends de l'argent, en définitive, tu viens de priver quelqu'un de dépenser l'argent que tu viens de lui prendre. Alors là, on s'arrête. Inspiration, respiration. On est sur la base d'un business, là. Écoute bien. En gros, quand tu factures quelqu'un, c'est ce qui est, voilà, tu fais un business, il y a ceux qui achètent, ceux qui vendent, ceux qui t'achètent à toi, en tout cas, ceux qui achètent ce que tu vends, font le choix de se priver d'acheter autre chose avec l'argent qu'ils ont dépensé chez toi. Tu vois le machin? C'est intéressant à se rappeler ce truc-là, toi. C'est, imagine bien que l'argent n'est pas non plus expansible. En tout cas, a priori, pour la plupart d'entre vous, vous avez un budget. Alors, il y en a qui t'expliqueront tout un tas de conneries, mais on a tous un budget. On a notre propre budget. Luc, je veux du fric. Bah, tu veux du fric. Dans la réalité, clairement, on a largement dépassé la limite du raisonnable. À mon époque, dans les années 80-90, on rougissait pour 1 milliard. Quand on parlait de 1 milliard, c'était à genoux, hein, à genoux, 1 milliard à genoux. Aujourd'hui, on entend parler des milliers de milliards. On entend parler de milliers de milliards. Ce qui veut dire qu'on a perdu la cohérence du truc. Attends, tu vas te marrer, tu vas voir. Tu vas comprendre que toutes les conneries qu'on te rabâche à longueur de temps sur Internet, ça vaut ça, rien, walou, nada. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Pour 1000 milliards, aujourd'hui, t'as plus rien. Hein, quand on voit la capitalisation d'une société comme Tesla, je vous le dis pas au hasard. On parlait avec un autre professionnel aujourd'hui au téléphone de Tesla et des bulles Internet de l'année 2000. On t'en parlera dans la Genius demain, si tu veux, tu verras. Il y a un rapprochement à faire, il y a un mimétisme clair entre ces deux périodes. Bah oui, la bulle Internet. Bah, une société qui émet du papier sans avoir de bilan ni de chiffre d'affaires, c'est quand même bien ce que font des sociétés comme Nicolas. Bah oui, pas le vin, celui qui fait des camions. Enfin bref, on t'en parlera dans la Genius demain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres ont dépassé les billets. Je recommence. Les chiffres ont dépassé les billets et qu'il est matériellement impossible d'avoir autant de cash que les fortunes dépensées pour la plupart renflouer les dettes, les manquements, les crédits. C'est impossible. Donc, il n'y a plus de billets. Ça n'existe plus, les billets. Il faudrait des billets avec tellement de zéros derrière que c'est même pas la peine de regarder. Les loulous, alors eux, c'est pas Darty ici. Hein. Le son n'est pas assez fort. On a perdu le Nord, erreur 404. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Rafraîchissez, videz le cash, rafraîchissez votre truc Internet et vous allez voir que ça va rouler. C'est bon, ça tourne, moi je l'ai. Je suis le premier à réagir quand ça va pas, en tout cas. On continue. Donc, l'argent est devenu immatériel. L'argent est devenu immatériel. L'argent est devenu un nom commun sans image. On ne peut plus le matérialiser. C'est quoi l'argent, en définitive? Tiens, essayez de répondre à cette chose-là. C'est quoi l'argent? Un moyen? Un trophée? C'est quoi pour vous, l'argent? À ce moment-là, on va parler de la nouvelle économie. Je voudrais vous présenter quelqu'un au moment où nous parlons dans l'émission, je voudrais vous présenter Léo. Est-ce qu'on peut voir Léo en face à face avec moi là-haut? Je sais que Mariana maîtrise complètement maintenant la technologie 4K of the world of the universe. Est-ce qu'on peut voir Léo? Est-ce qu'on peut là-haut me dire si Léo est en face de moi? Voilà. Bonjour à tous. Bonsoir Léo. Bonsoir Luc. Ça va? Ça va et vous? Léo, c'est un petit nouveau. Et s'il vient nous rejoindre, c'est pas au hasard. Léo, il a commencé par connaître la Genius en tant que client, donc il a payé la Genius.
Il en a tellement été content qu'il ne tarit pas d'éloges sur la Genu Station. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que Léo, en fait, il a, malgré son jeune âge, il a un savoir-faire et une connaissance dans la nouvelle économie. Léo, quand on parle de blockchain, de crypto-monnaie, de crypto-économie, tu sais de quoi on parle? Ah oui, clairement. Tout ce qui est blockchain, transactions, la nouvelle économie, comme vous dites, Luc, eh ben, c'est pour se hedger en quelque sorte contre l'inflation, en fait. Alors, ça y est, comment c'est gros mot? Ça y est. La nouvelle économie, c'est pour se hedger contre l'inflation. À quoi sert la nouvelle économie? Si vous aimez la nouvelle économie, si vous aimez parler, non pas uniquement de Bitcoin, mais de tout ce qui est autour de la nouvelle économie, Léo, on va lui confier la responsabilité de vous parler de la crypto-monnaie. Et Léo, il viendra vous dire son sentiment par rapport à l'actualité, l'unique actualité, parce que de l'actualité sur la crypto, il y en a des pages et des pages, mais l'unique actualité qui pourra vous aider à décider en crypto. C'est ça. Et ça, c'est dans la TV for Money de la Genu Station. Et ça sera dès demain, tous les mercredis. Bienvenue Léo. Merci Luc. Heureux d'être là. Eh ben, tu restes avec nous. C'est ça. Luc, je veux du fric. Bon, on y arrive. Oh là là, on y arrive. Regarde bien, regarde. D'abord, essaye de calculer de combien tu as besoin pour être heureux. Tu sais calculer de combien tu as besoin pour être heureux. Les mecs qui te répondent le maximum, c'est une réponse de merde. Hein, ça vaut rien, en définitive. Ajoute quand même un petit peu plus pour être à l'aise quand même, tu vois. Tu mets un montant pour être heureux, mais t'en rajoutes un peu pour être à l'aise. Et t'auras le montant dont t'as besoin. Après, les gens se rendent complètement dingues pour l'argent, absolument. Alors qu'en fait, la notion de riche aujourd'hui, elle est abstraite, elle est super floue. C'est quoi un riche? Qu'est-ce que c'est qu'un riche? Pour François Hollande, c'est un mec qui gagne 4000 euros par mois. C'est ça, être riche, sincèrement. C'est un truc délirant. J'ai eu le malheur de dire il y a quelques années, dans la télé, dans le magazine Capital sur M6, ils étaient venus dans ma salle de marché à Opéra, je leur avais dit que, à mon sens, une famille parisienne avec deux enfants qui vivaient à Paris, s'ils ne gagnaient pas au moins 20 000 euros par mois, ils ne faisaient absolument rien. Voilà. Ils se nourrissaient, ils se logeaient, point barre. M6 a coupé cette scène au montage, ils ont laissé le truc traditionnel, mais ils ont enlevé le moment où je parlais absolument de ça. Ce qui est le plus drôle, en fait, c'est que pour paraître sérieux aujourd'hui, il faut prendre une liasse de billets, et puis tu sais, soit tu fais comme dans les clips, tu fais ça, soit tu prends la liasse et puis tu fais ça. Il y en a plein, hein. Il y en a en ce moment, ils nous inondent de pubs sur Facebook. Moi, à mes enfants, je leur explique qu'en fait, la base de tout, c'est de comprendre que ces mecs-là sont des clowns. Pourquoi je dis que ce sont des clowns? Simplement parce que quand tu prends ta liasse de billets et que tu vas aller acheter un sac au printemps à Paris, en fait, si le sac dépasse 700 euros, t'en feras rien de tes billets. Parce que tu peux acheter au maximum 700 euros en cash. Et que tout le reste, eh ben, ils vont repartir avec leur liasse de billets de 20 euros et ils vont faire le truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux rien faire avec du cash aujourd'hui. Le cash, c'est mort! Donc tous les mecs qui sont sur Internet en faisant ça là, hein, sous les bras, un peu de pchit et tout, ça vaut rien, ça vaut absolument rien, c'est réglé. Alors Luc, je veux du fric, alors comment je fais? Ben, en fait, il y a quand même pas mal de solutions, et il y en a une qui arrive très vite d'ailleurs, hein. Il y en a une, elle arrive en courant, et j'ai eu d'ailleurs des discussions un petit peu houleuses avec certaines personnes, non pas que je sois contre, mais simplement qu'il faut quand même être raisonnable. La première astuce, vous allez hurler pour la plupart, mais il faut quand même que je le dise. Tu vas attendre simplement le revenu universel. Bah oui, il existe déjà en Espagne. Mais par contre, si tu reçois le revenu universel, il ne faut pas oublier que tu glandes rien et on te paye. Donc tu ne peux pas te révolter, on est bien d'accord. Tu glandes rien et on te paye. Donc, en plus, la plupart, ils s'achètent des clubs, de la vinasse, ils sont à la maison et ils attendent que ça se passe. Merde, à la fin. Tu peux pas te rebeller quand même, tu peux pas te révolter. Faut quand même pas abuser, c'est clair. Alors, c'est la première solution. T'attends l'hélicoptère monnaie ou t'attends le revenu universel. Mais sinon, soit tu bosses
et tu ne crois pas au mythe de l'argent facile sans effort. Alors je sais qu'on passe un cap dans la vie où on y croit tous. Il faut admettre, sincèrement, il faut admettre. Le fric facile sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Tu ne transpires pas. Alors, vous êtes nombreux à avoir donné des milliers d'euros, minimum 2 par jour qui m'appellent en me disant je vais donner 2900 balles, 1900 balles, 3000 balles au mec sur Internet là. Hein, la liberté financière et toutes tes conneries. Ceux qui en parlent sur YouTube, vous leur filez des milliers d'euros et quand il faut passer aux choses sérieuses, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de pognon et il n'y a plus personne d'ailleurs. C'est clair. Il faut bosser. Bosser et encore bosser. Plus tu bosses, plus tu gagnes. Ah, il n'y a pas de mystère, hein. Car si ce n'était pas le cas, arrête tout. Analyse ce que tu as fait, tu l'as peut-être fait dans le sens contraire. Tu es peut-être en train de te faire exploiter, hein. C'est aussi possible, hein. La France, pays riche. Non, les riches de France payent leurs impôts ailleurs. Là, ils dépensent pas, en fait. Bah oui, parce que ça, c'est la base, en fait, de l'économie. La base de l'économie, c'est ce qu'on appelle la redistribution. Il n'y a pas de super riches, il y a des riches. Il y a des moyens et des pauvres. Aujourd'hui, tu as des ultra-méga-riches et tu as des ultra-méga-pauvres. La classe moyenne, quand elle s'achète, comment c'est la marque d'Asla, c'est ça, la marque de Renault, low cost? Dacia. Et un 4x4 Dacia, oh. Ils appellent la famille. Barbecue, bar mitzvah, tout y va. Ils ont acheté une Dacia, yalla. On est dans le top de l'ultime du one again. Et si tu as le malheur d'acheter une Porsche, en fait, c'est pas la tienne, c'est que tu l'as louée. Clin d'œil encore à ceux que j'adore sur Internet. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons? Enfin bref, c'est pas grave, ceux qui envoient des messages. La France, pays riche, non. Et elle n'est pas vouée à le devenir, absolument pas. En France, en tout cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Pas tout le monde. Parce que l'argent, en fait, la redistribution, ça ne marche pas bien. Mais dans le monde entier, c'est comme ça. On parle de sociétés qui sont valorisées à 1000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Apple, obligé de splitter lundi. Bah, c'est du délire. C'est du délire. Mais c'est comme ça. 2000 milliards de dollars. Tiens d'ailleurs un truc sympa. Essaye d'imaginer ce que ça fait 2000 milliards de dollars dans la plus grosse coupure. Soit en billets de 100 dollars, soit en billets de 500 euros. Ça fait quoi en brouette, en valisette, en sac Carrefour, en je sais pas, moi j'en sais rien. 2000 milliards de dollars. C'est énorme. Comment tu veux qu'il y ait une répartition dans ce machin? C'est pas possible. Si d'un côté tu as 2000 milliards de dollars, de l'autre côté tu as moins 2000 milliards de dollars. En gros, c'est ça. Alors, les pays à fort PIB, écoutez bien parce que là, il y a des choses qui sont ultra importantes que je vais vous dire et qui me semblent véritablement opportunes, non pas comment gagner 3 millions d'euros en 3 minutes 30 en faisant du commerce en ligne, soit du dropshipping ou du trading avec une main dans le dos et l'autre dans la narine droite. C'est pas ça, en fait. En gros, les pays à fort PIB sont intéressants. Le problème, c'est que les pays à fort PIB consomment, mais n'ont pas d'argent. Ils sont en surconsommation, en surcrédit. Et les pays riches sont riches parce qu'ils consomment énormément. Donc, ils sont très fortement endettés. Je te prends l'exemple de la Catalogne. J'aime les Catalans. D'ailleurs, je salue l'espèce d'abruti qui m'a envoyé un message en catalan sur YouTube, me disant qu'il était de la Guardia Civile, hein, et ta grand-mère, elle joue avec Batman en haut du tennis, hein, pour arrêter les conneries, loulou. J'habite en bas de chez toi, je fais partie de la Guardia Civile, je veux gagner du fric, je viens, je te forme, sinon on verra si tu auras les coronets. Alors lui, il n'a rien compris, lui. Genre, il va se former au training avec moi sous la menace, tu vois ce que je veux dire. Il a un Magnum ou un P38 ici, il va se mettre, voilà, et tu me formes ou je te tue. Mais dégage, rentre chez toi, mais t'es fou, jamais je te forme. Ou je te forme à faire la saucisse de Michou. Tiens, d'ailleurs, clin d'œil, perdez pas votre temps dans les salons à droite et à gauche, s'il vous plaît, soyez malins. Allez pas vous faire embobiner par un espèce de gus qui nous sort sa merde depuis des dizaines d'années. Laissez tomber, vous avez mieux à faire. Regardez-vous le nombril à vous, regardez votre intérêt, regardez-vous ce que vous avez envie de faire.
Alors, les pays à fort PIB, oui, sur le papier évidemment, pas dans la réalité. La Catalogne, l'endroit le plus riche d'Espagne, on oublie de dire que c'est aussi l'endroit le plus endetté d'Espagne. Ah bah oui, l'endettement. On fait de la richesse avec l'endettement. Bah voilà, c'est un peu comme ça. En fait, la réalité, c'est qu'il y a d'énormes disparités entre les très très riches et les très très pauvres. Celui qui essaye de se glisser entre le truc, ben, on essaye de s'en sortir. Attention à ne pas dépasser les limites. Luc, je veux du fric. Ben alors fais ce qu'il faut. Enrichis-toi. Ne consomme pas. Amasse. Ne consomme pas. Amasse. Luc, je veux du fric. Quand t'as amassé, prospère. Ah ben oui, quand t'as amassé, prospère en l'utilisant. Luc, je veux du fric. Ne cherche pas à sortir de la légalité, mais entoure-toi de gens qui vont te permettre effectivement d'en économiser. Entoure-toi de gens qui peuvent t'aider à en économiser. Luc, je veux du fric. Mais alors, va le chercher. Va le chercher. Tu veux du fric? Alors, va le chercher. Là où il y en a, auprès de ceux qui en ont, tu as le choix. Soit tu les amuses, soit tu leur en fais gagner plus. Luc, je veux du fric. Alors, applique l'adage du sentier. Prends le chemin de la fortune. Prends à droite. Prends à gauche. Et après, prends partout où tu peux prendre. C'était Luc pour le deuxième. Luc Lette, Monnaie Show. À la semaine prochaine. Mardi, 19h. À demain, 8h30 dans la Genius Station. Abonnez-vous maintenant. Genius, trait d'union, station.com. 09 80 08 20 11. Tête de monnaie. Enron. Take care, choose, enjoy, ciao, bye bye, je vous aime.